comité de surveillance citoyenne qui pour aller en appui avec la douane, avec APL, dans le contrôle et surveillance, ça va rentrer dans le pays. Donc, tout le monde a mouvement commencé, il a arrêté les gens qui ont venu avec SAM, avec munitions, mais il a pris ça comme ça. Faut que les citoyens mettent des chèques dans ça. Pour aider à contrôler SAM, avec munitions qui ont entré, viennent tuer petit nous, madame nous, famille nous. Comité que nous proposons d'arriver, comité de surveillance citoyenne, qui a bien pour voyager dans le port, aéroport, douane à frontière, pour nous fermer les robinets, armes et munitions. D'après des grandes compagnies de téléphonie mobile, nous avons bataille contre l'insécurité. Parce que le pays qui a avancé, il y a une façon de contrôler la communication mafieuse qui a fait à travers. Téléphone, réseaux sociaux, qu'on a tel doué, les mêmes grands engagements pour qu'on qui ça y a vendu en Haïti, comment y a promoté le banditisme, la criminalité à travers le pays. L'autre démocratique, ouais, elle fait appel à vétérans haïtiens, y a fini et y a qu'à aider. Dans quelle coopération, ambassade a venu pour aider nous, pour dire nous comment on a aidé à faire des robinets à la caillou, pendant qu'on a fait des robinets à nous-mêmes, la caillou. Nous avons conclu pour nous dire. Avec l'aide de la presse, des institutions régaliennes de l'État, dont le CONATEL, Organisation de défense droit Mounio, qui doit tout connaître, tout le monde reconnaît que sécurité, c'est dénominateur commun nous tous, c'est qui gros bien nous lié. Par conséquent, c'est en pile d'amour pour FADH là, en pile d'amour pour PNH là, en pile d'amour pour monde qui a bataille pour sécurité retourner en pays. Let's faire plan ça, adopter au moins. Une structure de réinsertion. Parce que tout petit monsieur qui a nommé, qui a théorisé la population aujourd'hui, n'a pas obligé de mourir. Qui est obligé à apprendre le métier. Qui est obligé de réinsérer dans la société. N'a pas fait ensemble plan de désarmement sérieux à plan de réinsertion sérieuse que le pays a besoin pour être capable d'avancer. L'ordre démocratique pensait enfin que une institution, une recommandation que nous prenons comme citoyen et citoyenne, journaliste qui l'a, avocat captandine, juge, médecin, mécanicien, toute couche confondue de professionnels, je dis à nos voyages, nous rivés sur la police là, à force là, mais. Parce que l'autorité n'a pas gagné intérêt dans la sécurité, elle est capable de dire pas de moyens. Mais nous-mêmes, parce que nous desservons l'État, nous connaissons au niveau de la DGI des possibilités pour l'État, non seulement on tire le redressement fiscal, pour nous joindre l'argent pour acheter au moins deux hélicoptères de combat pour la police et la force de l'armée de l'homme. Non, redressement fiscal. Dans le redressement au niveau de la douane, nous sommes capables de jouer de l'argent pour acheter un hélicoptère à drone. Dans le CONAD, CONAD c'est la Commission nationale qui a lutté contre la drogue. Il y a un bureau qui est bas force. On parle à deux, trois anciens ministres de justice. Ils ont dit oui, il y a une possibilité pour nous jouer un COB en deux CONAD pour acheter deux hélicoptères de combat drone. Qui va permettre la police là travail. Nous-mêmes, en dans l'ordre démocratique, nous pas venir proposer seulement, nous venons agir. Nous proposer que couche professionnelle que nous avons dit là, avec 10 dollars, avec 20 dollars, avec 100 dollars, avec 1000 dollars, préparer pour nous rentrer dans le combat pour sécurité retourner en dans le pays. Et l'ordre démocratique, à proposer
nous en pour parler à OPC pour nous garder comment tu as gagné un compte institution l'État a créé pour monde qui veut contribuer vienne contribuer pour la police à des moyens pour le faire face à besoin. Et nous mêmes déjà nous prenons engagement une fois information nous fini la finaliser processus long l'ordre a contribué à hauteur de 5 millions de gourdes comme un jeune parti politique dans fond ça qui va permettre la police là l'armée l'état haïtien capable acheter hélicoptères drones à soutien pendant que vous même va contribuer pour capable avancer pas oublier me dit sécurité ces affaires au bouclier. Merci en pile ou même des journalistes qui a prévu l'information. Nous voulons espérer que vous même tout, vous mettez main pour nous avancer. Merci en pile. Nous sommes des sénateurs de la République. Nous avons dit dans le rapport que nous avons fait pour nous démontrer est-ce que y a volonté pour la sécurité dans le pays, qui est l'autorité qui a le lien avec le voyou en la société. T'es qui m'a dit d'attaquer tout ça. Et c'est ça exactement la vie que je dis. Lorsque des connexions entre les gens qui doivent prendre des décisions et les gens qui font des audios, c'est sûr, nous ne pouvons pas récolter l'autre bagaille que ça nous est aujourd'hui. Deuxième réponse, qui est simple, c'est la volonté politique. Moi, je dis dans le là et je dis, autorité nous y a qui là, pas gagné intérêt dans la question de sécurité. On a obtenu hier soir une autorité qui dit zone ça, son zone perdue. Et c'est le numéro 2 dans la chaîne de responsabilité qui gagne pour la sécurité à la population. Donc c'est pour vous dire, lorsqu'il n'y a pas de volonté politique ou lorsque gagne des tirs entre autorité avec bandit, c'est ça pour jouer un bon résultat. Aussi simple que ça. On a dénoncé le fait que tu aies des liens entre des éléments que nous avons bandits dans la société et certaines autorités policières. Ce dont nous avons jusqu'à présent, parce que nous avons des preuves pour ça. Qui change sécurité de la vie? C'est ça, non, mesdames. Pas oublier avant hier, le conseiller SPN, il y a trois mouns là-dedans, trois sous cinq, membres qui ont gagné une question pour répondre à la justice. Pas la gagne de sécurité. Et souvent, pour une police qui a des éléments qui partent la donne, on va assurer qu'il y a gagner de propreté qui vous fait pour au moins arriver. C'est parce que nous avons gagné un manque de confiance dans CSPN. On manque de confiance dans l'état-major, la police là, ou je vais dans la police là. Qui fait nous, même au niveau de l'ordre démocratique, nous proposer le comité de surveillance citoyenne. En tant que CSPN, je veux dire, qui est ce monde qui a protégé les citoyens? Parce que vous avez trois membres pour qui font politique là, dans le premier ministre, là, ministre de justice et ministre de l'intérieur. Moun sa aussi, vous voulez rester au pouvoir le plus longtemps possible. Est-ce qu'il y a bien intérêt dans la question de la pays à sécurité? C'est parce que nous pouvons, il n'y a pas bien intérêt, l'ordre démocratique vini, à les proposer à l'issue de sommet. Que d'affaires sous sécurité là, pour au moins une constitution d'un comité de surveillance citoyenne qui a protégé sous la police, non, qui a protégé sous la douane, non, qui a protégé dans le port et l'aéroport, non, qui vous dit attention, ça qu'a fait là, il n'est pas qu'à continuer à faire comme ça. Donc, c'est la réponse à votre question. Merci en pile de ce que nous avons là. Pour une vérité que les nations ne connaissent pas, qui fait que. Quand nous aussi à l'aise, aussi puissant. Faire la solidarité. Vérité, maman, pour nous rapide, prophète Moutiou. Regardez la caméra. Oui, maman, pour nous rapide, Moutiou, vérité, nous débattons dans le rapport que nous débattons dans la Constitution des sénateurs d'Alibou. Nous débattons dans le rapport que nous avons fait pour nous démontrer est-ce qu'il y a une volonté pour la sécurité dans le pays, qui est l'autorité qui a des liens avec le voyou en notre société. C'est bien mon vidéo d'attaquer pour ça. Et c'est ça exactement la vie que je dis. Lorsque des connexions entre monde qui a pris des décisions et monde qui a fait des audios, c'est sûr, nous ne pouvons pas récolter l'autre bagaille que ça n'est aujourd'hui. Deuxième réponse, qui est simple, c'est la volonté politique.
Moi, je suis dans le là, et l'on dit, autorité mouyo qui là, pas gagné intérêt dans question de sécurité. Ou après hier soir, une autorité qui dit, zone ça, son zone perdue. Et c'est le numéro 2 dans la chaîne de responsabilité qui gagne pour la sécurité à la population. Donc c'est pour vous dire, lorsqu'il n'y a pas de volonté politique, ou lorsque gagne des langues entre autorité avec bandit, c'est ça pour joindre comme résultat. Aussi simple que ça. Et sénateur, souvent vous toujours fait appel avec la presse et pendant que la presse parle pour le travail et l'autre, nous, policiers, nous pas de sécurité des policiers, et même pas ces sénateurs, ces députés, tout faire aux journalistes comme information de partager ou même ça qui facilite pour soit pour voir fusiller les journalistes ou bien pour les caler, pour persécuter, pour qui ça que nous toujours avons fait appel à la presse et puis nous pas à garantir la sécurité de la presse. Question là hors du sujet. Cependant, comme professeur que je suis, je m'apprends, lorsque vous attaquez comme citoyen, vous avez connu une institution régalienne, l'État qui est là, pour aller porter plainte, pour suivre les gens qui attaquent. Moi, à vous, nous appelons pour vivre dans une société de paix, pour des policiers qui nous respectent, moi, nous respectons. Je veux respecter les journalistes, je veux respecter tout le monde en la société. Donc son processus lié, c'est l'institution. Est-ce qu'on va penser que vous l'avez l'instant à promis? Comment comprendre que la sécurité va l'établir en Haïti? Voilà, belle question. Ma petite rapidement, oui, on te dit, lorsque le sénateur de la République, on a dénoncé le fait que des liens entre des éléments que nous avons bandits en la société et certaines autorités policières. Ce dont nous avons jusqu'à présent, parce que nous avons des preuves pour ça. Qui change sécurité de la vie? C'est ça, nous sommes là. Pas oublier avant hier lors des conseils SPN, il y a trois personnes là-dedans, trois sous cinq membres qui ont gagné une question pour répondre à la justice. Pas la cage de sécurité. Et sur le corps de police qui a des éléments qui parlent là-dedans, on va assurer que vous gagnez de propreté qui vous fait pour au moins arriver. C'est parce que nous avons gagné un manque de confiance dans ces SPN. On manque de confiance dans l'état-major, la police, là, ou dans le corps police. Là, qui fait nous, même au niveau de l'ordre démocratique, nous proposer le comité de surveillance citoyenne. En dans ces SPN, je veux dire, on a qui est ce monde qui a protégé les citoyens. Parce que vous avez trois membres pour qui font politique là-dedans, c'est le premier ministre, ministre de justice et ministre de l'Intérieur. Mounsa aussi, on voulait rester au pouvoir le plus longtemps possible. Est-ce qu'il y a bien intérêt dans la question de la sécurité? C'est parce que nous croyons qu'il n'y a pas bien intérêt, l'ordre démocratique fini, à les proposer à l'issue du sommet que nous avons fait sous sécurité, pour au moins une constitution d'un comité de surveillance citoyenne qui a voyagé sous la police, qui a voyagé sous la douane, qui a voyagé dans le port et l'aéroport, qui vous dit attention, ça qu'a fait là, il n'y a pas qu'à continuer à faire comme ça. Donc, c'est la réponse à votre question. Merci en pile de ce que nous avons là. Monsieur, dame, Marie, me dit nous, ça qu'a fait là, nous tout risqué en un pays, il concerne moi-même, comme citoyen, même gens, ça concerne. Merci beaucoup. Et l'ordre démocratique, pas mettez dans ça, même n'a pas notre deux. Parce que je me dis, la sécurité, c'est l'affaire du journaliste que vous êtes. Nous apprenons notre, nous devons apprendre notre pour ça, pour les anciens présidents, pour qu'ils participent. Merci beaucoup pour l'idée. Danon, pour quelle raison vous choisissez l'OPC pour amener l'initiative? L'OPC, sur la Constitution, c'est l'institution qui protège les citoyens contre le manfoumétisme de l'État et contre les actes arbitraires de l'État. De par la fonction que la Constitution va OPC, lorsque en danger, lorsque peur pour homme,
Lorsque m'estimer que y a fait abus, m'a grâce notre institution après la justice n'est devant que devant OPC. Et OPC, c'est seule institution qu'on dit dans tout l'âge aussi. C'est lui-même avec la Cour supérieure des comptes. C'est peut-être ça dans le compte OPC 1 pour le protéger citoyen, 2 parce que c'est constitutionnel. Si nous arrivons à faire sommaire, c'est sommaire qui a établi un échéancier d'application, d'implémentation. Et si nous décidons, nous dire, nous adopter le plan que l'ordre démocratique est là, moi-même, je ne vais pas mettre l'heure, je ne vais pas mettre date sous. Cependant, nous pensons que la conjoncture là n'a pas été réalisée. Est-ce que c'est un député qui a fait appel? Qui s'en peut faire appel? Qui? Le ministre fait appel à l'armée pour aider les combattants. Non, écoutez. Premier ministre a relevé l'armée à venir aider dans la question de bataille contre le banditisme. Nous-mêmes, nous prenons ça comme une annonce que le premier ministre fait. Que les citoyens reprennent, nous-mêmes, après le corps. Le premier ministre allait très tard et après j'ai été l'armée avec la police là en minorité psychologique. En pile policier moui pour être capable de justifier l'intervention militaire en Haïti. En pile citoyen, citoyen moui pour être capable de justifier l'intervention. Et le premier ministre, l'idée là, il te fait mesure. Nous dit bravo, quoi tard, l'idée de ce qu'on a fait. Maintenant, nous-mêmes en tant que citoyens, il faut que nous. Prend ça en main. Pour question journaliste qui dit, mais les autorités, vous avez entendu? Non, mais vous, il y a des parlementaires qui disent qu'il va aux âmes. Est-ce que les parlementaires sont contribués à acheter matériel ou bien tout, et ils vont faire face à ce qu'il y a là? Nous ne connaissons pas qui est-ce qu'on va faire face ou qui est-ce qu'on va faire avec. Sauf moi, c'est haïtien. Nous choisissons de vivre en Haïti. L'ordre démocratique. Il y a un bon haïtien là-dedans qui dit en Haïti pour vous. Il a contribué de façon paillot pour mater tout vagabond. Vagabond à cravate, vagabond à sapate. Nous pouvons au pouvoir. Nous pouvons au pouvoir. Si nous sommes au pouvoir, on a bien ça. Merci beaucoup. Et à courir quitter le pays parce que vous avez peur pour vivre. Désespoir, il m'a marqué dans la figure toute haïtienne et haïtienne. L'école a fait des portes. L'église, comme l'église, première église baptiste de la rue de la Réunion, a fait des portes. Machin, yo, pas qu'à aller dans l'activité normalement, c'est une population qui généralement traumatisée. Terrorisé par les actes de malfrats. L'ordre démocratique constaté pas gagné aucune mesure que l'autorité qui l'a prend pour redresser la barque. Sinon, que écrit à étranger pour demander intervention militaire. Et non tout, ouais, réponse non. Haïti, pas dans priorité pays étranger. L'ordre démocratique par une plainte devant la presse, devant la population. Mais nous venons proposer et nous venons prendre engagement. Proposition, c'est un. Lancer sous pays un sommet national sur la sécurité. Sommet national sur la sécurité, ça, t'as de réunir. Membre CSPN qui est en tête police là. Membre état-major force l'armée. 18 commissaires du gouvernement, pré-tribunal première instance dans le pays. 10 et 1 ou 11. Directeur départementaux de la police qui est dans le pays. Ancien directeur général de la police, ancien commandant d'unité des forces armées d'Haïti, tel Léopard. L'autre pensée, à travers sommet ça, nous avons gagné ancien premier ministre, parce qu'il était détenteur
de cellules de protection interne pays. Secrétariat primature, résidence, parlement, secrétariat technique CSPJ, pour assurer la continuité et la permanence de l'État. Nous demandons déjà à OPC pour ces l'examiner débat qu'a fait en dans sommet sous sécurité nationale là comme facilitateur. Nous disons en dans sommet à l'organisation de défense des droits de l'homme, représentant magistrat AZEC à KAZEC, dans l'idée pour nous garder comment nous allons monter, ça, la loi relève Conseil supérieur de sécurité municipale. Non, sommet ça, qu'on appelle à compagnie de téléphonie mobile, qui ont un gros rôle pour jouer. Parce que nous tous connaissons, je dis à téléphone, c'est une grosse âme que mon cap fait ça en un pays à utiliser. Nous-mêmes dans l'ordre, nous relayons les architectes du chaos. C'est ça qu'ils ont utilisé. Et compagnie, ils ont un rôle pour jouer. En tant que sommet, nous avons place pour vétérans haïtiens qui ont la bataille de l'armée étrangère, qui ont la boumé dans la force police étrangère, pour nous relayons le pays à un coup de main. Ça, c'est dans le premier jour. Dans le deuxième jour, nous devons inviter ambassade qui est en nous pour venir en Haïti, pour qui représente le pays en Haïti, pour venir partager avec nous expertise dans le combat contre ça ou les guérilla urbaine. Mais en plus de ça, il y a bien engagement pour t'apprendre avec nous dans aider à fermer le robinet qui pousse dans nos armes et munitions en dans le pays. Nous tous te voyons, il y a un petit mouvement qui a commencé à faire dans la douane. Mais mouvement cassé. Il faut que nous allons chercher qu'on est qui ça fait ça. Mais à l'issue de ce message, il y a des décisions que nous avons. Un, nous prenons compte que le pouvoir qu'il a, pas d'intérêt dans le pays à sécurité. Parce que tant que il y a insécurité, c'est tant qu'il n'y a pas d'élection. Tant qu'il y a élection, c'est tant qu'il y a prêté plus au pouvoir. Et par conséquent, la population a fait pression sur les gens pour le dire, ils doivent décréter rapide un état d'urgence sécuritaire sur tout le pays. Citoyens ont établi en tant que société civile, ça nous-mêmes en dans l'ordre pour le comité de surveillance citoyenne. Si par les contrôles qui fait dans le droit de nous encore sous la ministre qui a rentré, il faut nous connaître pour qui ça. Et qui est-ce qui a connu pour qui ça? C'est citoyen. Citoyen va faire comment? C'est par le comité de surveillance citoyenne. En nos ports, aéroports et frontières terrestres, nous à l'issue de sommet, nous avons intégré les compagnies de téléphonie mobile. Non bataille. Parce que dans tout le pays qui a avancé, vous connaissez comment vous contrôler la communication mafia a fait avec mafia pareil. Compagnie doit aider dans ça. Vous avez fait appel, je te dis, à vétéran nous et vous avez adopté un plan de sécurité en urgence qui t'a permis la police nous, l'armée, yo en condition de facilitation ou de possibilité pour faire réquisition matérielle que vous avez besoin, mais pas de côté pour faire face à besoin de sécurité. Une fois que nous faisons ça, nous arrivons dans le dernier point, et c'est le plus important pour le pays aujourd'hui. Il faut comprendre, la police, la force armée, elle dit qu'il n'y a pas de matériel. Mais nous tous connaissons, c'est parce qu'il n'y a pas de volonté pour avoir de matériel. Parce que nous, t'es dans l'État, nous connaissons l'État capable de jouer une corde en dans des GI, à travers une rubrique, une section de redressement, pour dire tout le monde qui te fait des déclarations fiscales que vous pensez biaisées, il y a redressé mon là seulement
l'État a capable de corps pour acheter deux hélicoptères de combat pour la police et la force l'armée. En un droit, non, il a fait même bagarre là. Comme là, il est en train de arrêté pour drogue, comme ça, gelé quelque part dans BRH. L'État a la dent pour prendre corps pour acheter hélicoptère. Mais je ne dis pas, il dit fait seulement, mais nous-mêmes dans l'ordre démocratique, nous prêts pour nous contribuer. C'est parce que nous avons contribué que nous dit. Nous proposons que nous ayons un compte qui l'ouvre. Et nous proposons c'est l'Office Protection Citoyenne qui a fait ça. Nous continuons à discuter avec vous. Compte qui a l'ouvre pour moi-même qui est avocat, ou même qui est économiste, l'autre là qui est architecte, l'autre là qui est marchand de pistache ou marchand de marché public, nous pour nous dire. N'a contribué pour n'a contribué dans achat matériel pour aider police non à clamer à faire travail. Et là, l'autre démocratique prend engagement une fois contre l'ouvri pour nous contribuer à hauteur de 5 millions de gourdes qui va permettre de servir une base pour au moins nous aider hélicoptère, aider drone, aider gilet pare-balles, casque qui va aider police noire, rivée, fait travail. En dernier point, le comité de surveillance citoyenne a bien pour travailler et élaborer un vrai plan de désarmement et de réinsertion qui permet à monsieur qui a des armes nommées, tout pas d'Amérique mourir, tout pas de mourir. Vous devez déposer des armes, là où vous déposez des armes, il faut nous bailler encore comment nous sommes capables d'intégrer dans la société. Ce plan de réinsertion à plan sérieux parce que y a un comité de surveillance citoyenne qui a contribué là-dedans pour dire pays non pas pour lui, pays à nous vivre. Parmi eux, dit sécurité, ces affaires nous toutes, ou même des journalistes qui là, ou connaît sécurité, ces affaires parolier tout, en contribué pour nous garder comme un pays non capable de vivre.